Il tactile mon doigt. Je réponds avec mon téléphone en plus. Bah, je vois qu'on m'appelle sur le téléphone, du coup, je glisse mon doigt. Ah, c'est vrai? Bah, oui, je dis. Oh, bah, je dis, ça a marché. Bah, non, en fait, j'ai vu, et puis, l'habitude, quand tu vois, c'est de répondre, quoi. Ouais. Bah, hein? Bah, ça dépend, quoi. En fait, je pense que Google Maps, c'est pas adapté à la moto. Genre, si c'était peut-être, genre, une carte noire sur route blanche. Ça bah, je sais pas. Et nous suivons encore la 50. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est une Yamaha, mais je sais pas ce que c'est. C'est une Zag VDF 125. Je veux le beau de sa vie. On peut faire une jolie photo de moto. Hein? Je vais pas te faire le bon gant. Je suis un petit peu coulé. Pas d'eau. Oui. Mmh. Mais ouais, t'as une. Normalement, il y a une route entre les deux pour y aller, mais il y a plein de gens qui se sont fait niquer. Genre, ils y vont à pied, mais quand ils reviennent, bah, la mer elle est montée donc. Il va se coincer là-bas. Ouais. Ou alors, tu savoir nager, quoi. Bah non, c'est dangereux, il y a plein de cailloux. Si t'as envie de te faire éclater les murs, ouais. Sinon, non. Toi, t'es obligé d'appeler un bateau. Non, t'es obligé d'appeler le garde-côte. Ils vont te chercher, quoi. Je pense que ça doit être assez cher, hein, mon avis. Ça coûte cher, hein, là, parce que... Bah, je pense que ça doit coûter, parce que... C'est vrai. Bah, après, les gens font pas exprès, normalement, mais c'est souvent les touristes, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah oui, en général, faut regarder les marées avant d'aller. C'est comme si t'as envie d'aller pêcher le couteau, t'es obligé de regarder les marées avant d'aller, sinon tu vas pour rien. Hein. C'est l'autre, tu vas pas faire grand chose.